Europe 1. On va se gêner. Doremi facile. Doremi facile. Liado. Delgado. 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 Le retour. Un triomphe, merci. On est heureux de vous retrouver, la croisière s'est bien passée. Ah, il était parti. C'est magnifique, j'ai bronzé, figurez-vous qu'il fait très beau au pôle Nord en ce moment. Et quelqu'un vous a vu au concert des Ogres de Barbac à Saint-Étienne? Ah non, ça devait être un sosie, non, j'étais pas à Saint-Étienne, je pouvais pas être aux deux endroits en même temps. Ah non, vous avez été cité par les Ogres de Barbac à Saint-Étienne, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai entendu le chanteur remercier Serge Liado à la fin d'une chanson. C'est Delgado lui, c'est pas Serge Liado. Oui, je crois qu'ils se sont... D'ailleurs, ils me l'avaient demandé, l'autorisation. Ils se sont inspirés d'une des chroniques que j'avais faites dans cette émission. Oui. Quel succès, alors ! Merci ! Non, parce qu'on s'était quitté. Vous, je suis sûr que vous connaissez Jean-Paul Brouchon, par exemple. Oui, Jean-Paul Brouchon. Ici, la route du Tour. Ici, Jean-Paul Brouchon. Et voilà ! Il a des imitateurs. Et voilà, merci, Serge. Avec les klaxons qui font le pont de la rivière. Quoi, on est content de vous retrouver. On s'était un peu, quitté, pas fâché, mais un peu en bisbille à cause de Riss et Barrier. Eh bien, on revient maintenant. On va en parler. Non, mais c'est vrai que, en fait, on devrait pas annoncer des disparitions dans cette émission. Parce que laissez-le à d'autres. Dès que je le fais, paf, ça tourne en autre boudin, cette affaire-là. Alors, qu'est-ce que je vous dise? D'abord, une ressemblance, Serge. Voilà, je vous propose d'abord une petite ressemblance. C'est une chanson récente de Louis Bertignac. C'est dans son single qui est sorti récemment, en mars, je crois. La chanson s'appelle Tes bonnes choses et elle ressemble curieusement à une chanson de téléphone. Et on peut dire qu'ils C'est pas grave, il y était. Plus ou moins. Oui, il y était, mais n'était que parti, puisqu'ils étaient quatre sur le coup, tandis que là, il en a repris la musique tout seul. Oui, mais s'il avait fait la musique déjà. Bah ouais. Oui, il était co-compositeur. Il s'est autoplagié, quoi. Il s'est plus ou moins autoplagié. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il est resté dans le même style, parce que c'est pas exactement la même chanson. C'est ressemblant, mais pas identique, quand même. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, en fait? ça veut dire tout simplement que Louis Bertignac est resté dans le même style depuis 2006. Il est toujours au téléphone. Je marche les grands boulevards, dans la foule des gens à gare, et je ne vais nulle part, nulle part. Deux. Je me blessais de rien, j'étais de plus rien. Je trouvais pas mon chemin, trop de bruit. Je marche sur le grand boulevard et je cherche ton regard. Et je me dis que tes bonnes choses n'ont pas de fin. Des gens pas bien, ok, des brumes. Ça ressemble, c'est vrai que ça ressemble, Serge. Voilà. Il s'emmerde pas, le père Bertignac. Hein. C'est juste pour dire que, voilà, que ce soit téléphone ou pas téléphone, oui. Il reste dans le même. Il y a un petit plus aujourd'hui, sans augmentation du prix des consommations. Oui, c'est peut-être parce que c'est bientôt la fête de la musique. Vous avez peut-être besoin de prendre des cours de chant pour c'est aller... C'est pas bientôt, c'est demain. Hein. C'est demain. On a juste le temps, si on veut. Donc, il est temps de prendre des cours de chant. Et si vous êtes dans la région de Montpellier, ou même ailleurs, vous pouvez contacter par Skype Monsieur Olivier Tronquet, qui fait sa promo sur Internet, sur YouTube. C'est en train de faire le buzz en ce moment, parce que en croyant donner une leçon de chant, évidemment, il se ruine un petit peu. Vous allez voir, il lance un cri. C'est un prof de chant qui fait sa pub, en fait, c'est ça? C'est surtout aussi un chanteur qui reprend les morceaux de Led Zeppelin, qui est un bon chanteur. Mais là, comme prof de chant, c'est assez étonnant, en tout cas, le clip qu'il nous donne sur YouTube. Écoutons. Salut, je m'appelle Olivier Tronquet. Je suis professeur de chant, coach vocal, TVS Master France. Yeah, yeah, yeah. Mais toutes ces techniques de voix haute, de voix aiguë,
Je peux vous les apprendre, tout l'élargissement de votre tessiture, je peux vous les enseigner, je peux vous enseigner aussi les techniques de cri. N'hésitez pas, envoyez-moi un email, n'hésitez pas, appelez-moi. À bientôt, hasta luego, see you soon guys. C'est quand même assez drôle. Là, c'est des petites annonces d'Élie. Ah, pareil, c'est moi. Mais le tout bon, c'est hasta luego. Ah oui, en toutes les langues en plus. Oui. Non, mais si vous voulez élargir votre tessiture. Ouais, mais c'est pas sexuel, Caroline. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Caroline, en attendant, élargir tessiture, elle fait. C'est quoi son numéro? Elle était déjà connectée sur Skype. Bravo, Serge, c'était un bon retour. À demain. Merci, salut. Dans un instant, le deuxième challenge après les titres de 17h.